Rebelote, rebelote. Bah, comme quoi, ce coup-ci, c'est pas moi qui suis à l'ouest ce soir. Ça va. Donc, ouais, les mêmes côtés. Bon, bah. On va attendre tranquillement que les deux premiers, bah, que les joueurs rejouent leur tour tranquillement. Bah, je pense qu'ils vont refaire la même chose. De toute façon, c'est pas dur de se rappeler ce qu'il fallait faire. Ah là 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 là. Allez, voilà, on valide, on se replace bien comme il faut. Bah, on commence en beauté, j'espère que ça va être comme. J'espère qu'il n'y aura pas ce même problème dans les autres combats. Hein. J'espère aussi, non, ça devrait aller. Le problème, c'est surtout qu'il y a deux FK, donc déjà que le match a pris du retard, entre guillemets, maintenant ça se relance, j'espère qu'il ne finirait pas trop tard. Ouais, surtout que le prochain, ben, sans être méchant envers les deux équipes Gladiateurs et The Money in Black, le prochain c'est AVF contre Gladiateur, AVF contre Walker Dofus Rangers, donc Oui, la plutôt. team de PP78 Cannon contre Chuck. C'était attendu par pas mal de monde hier soir ce combat, donc on est désolé si on va les quitter un peu plus tôt. Que c'est vrai que ce match à la base, comme tu l'as dit Fred, aurait dû se lancer à 19h30. Et du coup, bah allez, dépêchez-vous, allez, The Claim Show, valide, rejouez vite, qu'on suive un maximum de votre combat. Et en espérant bah, qu'on se quitte avec une petite idée du vainqueur. Dans le pire des cas, je resterai sur le match pour te tenir au Oui, courant. oui, oui. Et hop, du coup, là, c'est reparti. Du coup, j'en étais où dans les stuff? Archange Gabriel qui a commencé avec 4 fixes neutres. Non, ce serait. Oula, attends, avec des restes comme ça, non, me demandez pas de deviner, là, c'est un peu. C'est Préfères un pas prendre de risques là. Bah, avec des restes comme ça, je me demande ce qu'il a, puisqu'avec 4 fixes, ça ressemble à. Ça ressemble à. Bah, je sais pas en fait. Ça ressemble à Avec rien. aussi peu de res. Donc, on va passer, voilà, du coup, départ, on redémarre pareil. Ah, le retrait PM est peut-être pas pareil ou maladresse, mais bon, ça changera pas grand-chose, je pense, pour ce premier tour. Enfin, j'espère qu'on va pas relancer le combat une nouvelle fois. Le sac animé qui est reposé, du coup le sac animé qui ré ne réagit pas pareil, bon ça change pas tellement non plus pour le moment. Les armures de relancer, allez, remise à zéro, allez, on dit que c'est le premier combat. Du coup Archange Gabriel, zéro tacle, on va voir, ben, des dommages de poussée sans grande surprise. Et après autour de The Spartacus, il a gardé aussi son stuff en pas de greffe. Son stuff en pas de greffe, donc ouais, il a quand même quasiment 4000 de vita, donc il est pas full inté, il a investi une bonne dose de vita. La dinde l'aide à atteindre les 4000. Il a des raisins assez sympathiques sauf en neutre, mais bon, les résistances contre les dommages de poussée, on sait ce que ça veut dire, hein. Ça ne sert strictement à rien. Du coup, Exactement. voilà, retour d'armure. Autour de légende maudite, bon bah. Full bruise, zéro tacle, on sait aussi ce que ça veut dire. Par contre, quitte à jouer dommage de poussée, il aurait peut-être pu. Bah, il a peut-être pas passé les donjons non plus, mais quitte à jouer en brousse, bah, un peu comme Light mettait, jouer en coiffe et cap style là pour optimiser la force et choper le bonus dommage de poussée à deux items. Que c'est vrai que là, ils sont sans debuff face à Fekaouza. C'était limite leur seul moyen de gagner, là, les dommages de poussée. Et voilà, la caouette qui est reposée, du coup, voilà, on a remis les pendules à l'heure et c'est reparti pour un ben pour le combat et on ne sait pas ce qui va se passer à partir de maintenant. Et après on va terminer aussi avec The Clem Show. The Clem Show, est-ce qu'il a ressorti sa assurance? Ça ressemble à. Ben, au vu des restes comme ça ressemble avec une Capuxa en full brousse où il manquerait les fixes sur la ceinture. Ou alors une bague éternelle avec les 9 fixes terre, 9 fixes haut. On verra bien ce qu'il va nous sortir. Bon, j'aimerais bien le revoir avec sa assurance quand même, c'était assez sympathique à suivre. Moi j'aime bien surtout les stuff old school, c'est vrai qu'on en voit rarement, il y a la steak, il y a la hache, etc. Quand même pas mal de trucs qui sont plutôt bons. C'est assez original. Oui, c'est sûr. Oh mais ouais non mais Vlad, bref, le combat a été relancé, on va pas rester sur un tel ACC, un tel à pas CC. C'est pas grave, ça m'étonnerait que ça change non plus aussi l'issue du combat quoi. Puisque l'armure terrestre est crit ou pas, ça réduira pas les dommages de poussée. Et du coup la coco qui est chargée quand même par les gens de maudite. La coco, une première divine, peut-être la maîtrise, oui voilà. Bien, il y a certaines personnes qui aiment pas lancer la maîtrise tour 1, puisque ben, tu perds un tour inutilement de maîtrise, mais vu qu'elle dure 3 tours, ça reste tolérable et surtout je préfère lancer ma maîtrise que passer un tour à 2 PA personnellement. Je sais pas si t'es Exact. du même avis, Freeman, voilà. Bah surtout que là, les positionnements sont pas très rapprochés, donc C'est clair. ça paraît assez peu judicieux de lancer la maîtrise maintenant.
Oula, ouais, ben il peut y avoir une coop cache, donc il peut maîtrise pour quelqu'un au prochain tour aussi. Crocaburia, tout ça de PO aussi, ça sent la coop cache. Par contre, on peut noter aussi une Kawa très très bien placée par Archange Gabriel, puisque ça bloque la ligne de vue Ronce Insolente. Donc, ils se sont bien tous alignés, voilà, pour pas se faire des buffs. Ils vont essayer de repousser un maximum. Et une petite surpuissance qui retire encore quelques PM en plus. La gonflable. Oh, la gonflable qui n'avait pas donné ses PM au premier tour. Ah non, il vient de l'invoquer. Il l'a invoqué avant de bouger. C'est pas normal sinon. Ouais, voilà. Ça va, je vais essayer de tuer un maximum. Je vais essayer de me rattraper de mes conneries d'hier. Du coup, Crocabulio, est-ce qu'il va coop le Salida? Est-ce qu'il va nous faire une coop classique? On va bien voir. Crocabulia qui se décale, ça va être soit le Sadi, soit l'Oza de toute façon. Vu que l'Enu joue derrière, ça sert à rien. Et voilà, c'est donc l'Osamu qui fait coopérer The Spartacus qui est au milieu de ses adversaires. Ça va être compliqué pour lui de revenir là quand même. Oh, surtout, allez hop, un détour, une libée sur The Crixus. On essaye vraiment d'isoler un maximum cette Osamodas. Et oui, la coopération qui fait toujours autant de dégâts dans les rangs d'une équipe. Du coup, comment The Illicia va pouvoir réagir à cette coopération, quoi, avec une petite pelle fantôme sur sa cri. Allez, voilà, la clé réductrice, peut-être pour limiter la transposition. Oh, et on est en train de voir un move qu'on a. Bah, un move ressemblant qu'on a déjà streamé il y a 2 soirs, Freeman. Avec la clé réductrice sur le sacri, il appelle animé pour le mettre en retrait pour l'empêcher de transpo. C'est. Bah, je ne sais plus le nom de l'équipe, mais c'était pas les Nutrof Babocris qui avaient fait pareil il y a quelques soirs? C'est peut-être qu'on les canards sans pattes, et vu que Freeman répond pas, je crois que je me retrouve tout seul pour le moment. Allez, c'est pas grave, tu vas pas tarder à nous rejoindre, j'espère. Allez, on continue du coup. Oh là là, Dark Royal, ça va être du full entrave PO, peut-être sur ce Spartacus. Pour l'instant, ce Spartacus il est quand même bien protégé. Il a les armures, la fraction. Et pareil, fraction avec sac animé, bon, on a vu sur le Mejazaka 47 hier, bah, ça servait pas à grand-chose. Parce que pour le moment, le sac animé sert strictement à rien. Ouais, le sac animé a été lancé pour plus tard, ouais, pour la sortie de fraction. C'est pour en prévision. Donc je pense pas que c'est une erreur là, parce que le sac animé dure quand même 4 tours. Et du coup, allez, on parlait de retrait de PA. En veux-tu, en voilà. The Crixus s'imprègne avec le moins moins 3. Ce pauvre Crocabulia a encore des points de bouclier. Mais d'un côté, on n'a pas de debuff. De l'autre, on n'a pas d'érosion. Ah là là, je me demande ce que ça va donner comme combat alors. Revoilà, Master. Voilà, re-Freeman. Apparemment, je t'ai mis un vent. Bah ouais, pour pas changer, limite prochain. Quand limite quitte AFK, dis-le clairement que je me prenne pas des vents toutes les 2 minutes, bordel. En général, je préviens sur Skype, mais comme je lui dis pas, là Bah j'ai pas ouais, mais là prévu. t'avais pas prévenu, j'ai vérifié justement pour une fois. Eh ouais, non, on m'a appelé au téléphone. À limite, dis-le à l'audio, c'est mieux. Je me sens D'accord, moins j'ai voulu seul vous comme ça. épargner un appel de ma mère, donc. Non, mais tu es juste à l'audio, j'arrive qu'à 2 minutes et comme ça je me sens moins seul puisque je me sens un peu con à te poser des questions et personne qui me répond derrière. Et oui, Mais c'est vrai ce non, qu'il y a, je suis c'est pas comme tout ça. seul, il y a vous, fidèles viewers, qui êtes là pour me supporter. Et du coup, allez, on va en parler des dommages de poussée. Oh là 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 là. Ça commence fort, très très fort sur ce Spartacus. En plus, il est bloqué par cette Kawotte. Bon, la Kawotte, il peut faire une frappe du crack. Une libération, et après, ben, il a eu l'accélération, donc il a les PM pour revenir tranquillement. Il tue pas la cavotte? Oh non! Oh non, c'est mal joué ça! Non! Un corbeau sur la cavotte, une libération, il se remettait à l'abri. Et le dragonnet qui détacle pour débuff Archange Gabriel. Ah, ça c'est d'une logique. Et du coup, le bouffe-tout, est-ce qu'il a tapé? Non, j'ai même pas l'impression qu'il a tapé ce bouffe-tout. Je regarde la timeline. Le bouffe-tout qui a tout simplement passé son tour. Et du coup, les gens de Maudit va pouvoir intil bouffe-tout, bondir ici et remettre Spartacus au contact. La grosse erreur de la part des gladiateurs là. Aïe. Il avait peut-être pas vu que la Kawotte avait aussi peu de points de vie. Et voilà le bon normal, une nouvelle intimidation, le pauvre Spartacus qui se retrouve au contact de Darky Royal. Et du coup, bah, une accélération un peu gâchée là par les gladiateurs. Ah là 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 là. Et voilà, Spartacus est déjà en grande difficulté, mais là, c'est limite condamné.
J'ai l'impression qu'il s'est limite condamné là. Lui, allez, une ronce agressive pour tuer cette épée volante. On risque d'avoir une nouvelle ronce à une. Là, voilà, la ronce insolente pour debuff. Peut-être le coup de cac, la maîtrise. Et voilà, il a ressorti sa assurance. Un bon petit coup qui ne crit pas quand même. Mais 730 légendes maudites qui passe en dessous les 3000 points de vie. Légendes maudites en dessous les 3000 points de vie. On a Crocabilia toujours sous clé. Mais bon, il pourra transporter probablement la Kawot pour se remettre à l'abri. Mais là, va falloir faire quelque chose pour sauver son Ozol. Il recule et du coup il ne transpo pas une attirance sur Illicia pour essayer de l'isoler aussi. Voilà Crocabulia qui n'a pas l'air de vouloir taper pour le moment. Ah là 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 là, et oui Illicia n'a que 31 d'esquive PA. Ça c'est bien joué de l'avoir mis dans dans le glyphe. Comme ça au moins 3 PA gratuitement. Du coup Illicia avec la libération n'a plus que 5 maintenant 4 PA. Et pas de corruption qui peut être lancée sur les jambes maudites. Quoique la corruption serait plus à lancer au prochain tour vu qu'il y aura la coco. Enfin, ils ont aussi un FECA pour protéger tout ça, l'immunité pour donner un tour de répit à Spartacus. On va voir, mais le problème de The Spartacus, ben, il n'y a pas grand monde pour le soigner dans cette équipe. Et du coup, l'appel animé qui continue à s'amuser avec Crocabulia. Que va nous faire Darky Royal? Il est totalement taclé aussi par son adversaire. La map du combat, oui, attends, vous pouvez voir sur le stream, elle est juste à droite de Bonta. J'ai pas la pose exacte sous les yeux, mais je suis en combat. De Bragmar, pardon. Oh, c'est pas grave. Je mélange Bonta, je mélange Bragmar, je mélange de tout, moi. Enfin, on m'a compris, c'est le principal. Et tu m'as corrigé, c'est le principal, Freeban, aussi. Heureusement que t'es là, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Oui, voilà. Au moins, toi, t'es là, pas comme une certaine personne. Ça va, Tutu va arriver dans pas longtemps. Ah ouais, mais je parle pas de Tutu là quand même. Ah, tu parlais d'Ab. Bah oui, évidemment, qui tu veux d'autre? Allez, autour de The Crixus. Là, c'est peut-être le moment d'aller caler des retours du bâton sur les jambes maudites. Un nouvel aveuglement à moins 3 sur Crocabulia. Un retour, peut-être un aveuglement aussi. Voilà, un premier retour du bâton à 329. L'aveuglement, ouh, qui passe moins bien là quand même. Oh, pas de bol, avec seulement 37 d'esquive, il a bien esquivé, on va dire. Et du coup aussi Archange Gabriel, voilà, ça va être la double Blue Leash, puis de la libération. The Spartacus en énorme difficulté là, aïe. Surtout si les gladiateurs perdent leur pilier, ben ils n'auront quasiment plus aucun espoir de remporter ce combat. Oh, et la mascarade. Ouh, est-ce que cette mascarade va suffire? Allez hop, la Blue Leash qui tue la cahotte. La Blue Leash qui tue la cahotte, du coup Spartacus va pouvoir libérer. Et essayer de se mettre à l'abri, mais avec 1141 points de vie, est-ce qu'il va survivre? Puisque avec la mascarade, les jambes maudites peuvent se faire plaisir avec bon précipitation et les intimidations. A noter que le bouffetou qui a pas joué peut aussi venir remettre sous pesanteur les jambes maudites. On va voir. Oh là là, The Spartacus taclé, est-ce qu'il va libérer la libération? Du coup, le bouffetou ne pourra pas aller sur les jambes maudites. Aïe. Est-ce qu'on va déjà avoir notre premier mort? Là, il va le tuer le Yop avec les deux poux. C'est quasiment obligatoire. Je sais pas. Oh, 1100 points de vie. Il va s'enfuir là. Voilà, il est obligé de s'enfuir, mais bon, c'est bien isolé quoi. Et le Kragler, fallait pas l'invoquer ici, le Kragler. Ah là 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 là. Oh. Parce qu'il aurait dû bloquer peut-être la ligne juste au-dessus de lui. Ouais, voilà ce qu'il aurait dû faire. C'est de ce côté-là que le Yop va arriver quoi. Surtout que le bouffetou en plus c'est mal placé. Et allez hop le bon. Ça va être les intimidations. Si c'est la mort de The Spartacus là. Si avec les dommages de poussée. Oh la pression. Heureusement qu'il y a toujours le sac animé. La première intimidation. Oh non, il va survivre. Il va survivre de peu, mais il va survivre. Allez, première intimidation, deuxième intimidation. Ah non, il a pas tant de ça, dommages de poussée. Je m'attendais à en voir plus. Donc ça va, The Spartacus encaisse, même s'il est très mal en point pour le moment. Il est très mal en point, mais du coup Archange Gabriel là qui peut prendre un bon coup aussi. Archange Gabriel qui peut prendre un bon coup, mais bon, il a encore 3100 points de vie. Peut-être une immunité aussi à venir. Ah ouais, mais une immunité de la part de The Crixus avec le malus PO de la Oshimo, ça va le forcer à TP ça. Ça va le forcer à TP. Que The Crixus, oui, il est avec la full Oshimo là. The Clemshow qui réfléchit, bah là, faut pas vraiment réfléchir, faut taper. Voilà.
Ah, la ronce agressive qui ne crit toujours pas. La coup d'âge sueur en salle. Ben, je dis que ça crit pas, mais on ne sait pas s'il est un 2 aussi, ce Sadie. Et une petite ronce apaisante à moins 2 PM, c'est toujours ça de prix. La folle qui va se faire plaisir là par contre. Un petit moins 2 sur Gabriel, un nouveau moins 2 sur les jambes maudites. La surpuisante qui continue son travail d'entravel aussi. Et la gonfle à quelques points de vie, oui. Là, ces points de vie à légende maudite sont, pour The Spartacus sont très précieux. Crocabulio qui a 9 PA, 3 PM, toujours sous clé réductrice, va avoir du mal à venir choper Spartacus. Voilà, transpo la Kawotte, il devait pas être loin de sa PO max là quand même. Ah là 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 là. Crocabulio qui se rapproche, un sacrifice lancé sur son Yop. Mais là, c'est vrai que le sacrifice est bien placé, puisqu'ils ont quand même déjà cramé l'insolente et le cri terrifiant. Et là, du coup, ça va être autour de Illicia. Ben là, Illicia, le mieux, vu qu'on est au tour 4, ça va être d'essayer de corrupt le Yop, mais là, le Yop est bien loin. Enfin, avec la sortie de précipitation, il pourra pas placer la colère. Et non, on va continuer à taper. Oui, ça fait mal, ça. 622 à l'appel à 50 et l'art contemporain. Ouh là là, ça fait un carnage sur Archange Gabriel. Oh là 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 là, Archange Gabriel 900 points de vie. Du coup, ça va peut-être forcer Darky Royal à immuniser son Zobal, puisque là The Crixus il peut peut-être le terminer. Allez, autour de Darky Royal. Ah là, faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. La téléportation. Et le coup d'arc Gutendag. Tous les dégâts sont transférés sur Sac Animé. Il protège pas son Zobal. Mais il est fou. Eh ben non, je préfère le Yop. Il est fou. Avec un coup de cac et de retour, il devrait pouvoir le terminer. Peu importe le cac là. Oh. Attends, j'ai dû rater quelque chose. Il y a bien une protection. Non. Mais non, mais. Mais tu le Zobal. Mais pourquoi il immunise son Oza là? Il aurait eu l'effet de tuer le Zobal. Le Oza aurait pu encore survivre un peu vu que les gens de Moté avaient la sortie de précipitation. Oh non, ça c'est. Je pense qu'il aurait vraiment dû essayer de terminer ce Zobal. Surtout qu'il a claqué sa TP. Oh là 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 là. Et Archange Gabriel, voilà, il a la relance plastron là. Ah non, 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 il aurait vraiment dû essayer pour jouer le tout pour le tout, je pense que ça passait. Je pense que ça passait largement avec deux retours du bâton et un coup de cac. Je sais pas ce qu'il a comme corps à corps. Je sais pas ce qu'il a comme corps à corps avec ce mode-là, avec des restes comme ça. En tout cas, bah, il a une cape Uxa déjà, donc avec la cape Uxa... Non, ça ressemble pas à une béchasse vu qu'il a 21%. Je sais pas du tout, là, on verra bien. Et la bénédiction animale, voilà, un bouffe-tout sur les jambes maudites, en espérant pour The Spartacus que ce coup-ci, son bouffe-tout va jouer directement pour gêner un maximum, un presse-pic pour continuer sur l'entrave PA, et The Spartacus qui continue à fuir avec ses 1300 points de vie. Ah là là, l'aveuglement qui passe pas, et le presse-pic, ouais, le presse-pic du coup, ben, qui termine son tour au contact de Darky Royal, ouais, c'est pas plus mal vu que ça le tacle. Allez hop, quelques écrasements pour retirer des PA. Un petit lac de sablier, le bouffetou qui passe son tour. Ça va être toujours dragonné, ça va être des dégâts sur Crocabulio là. Ouais, un petit dragofeu 242, et oui, Crocabulio. Oh, petit dragofeu, ouais, il n'y a pas tellement de raids là sur Crocabulio. Et du coup, le sab. Bah non, mais non, mais non. Mais non, mais. Aïe, 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 il a pas vu l'immunité ce Yop là. Ah là 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 là, une épée de Yop sous Ibu. Pas mal. C'est un Yop. Toi qui voulais voir une coco sur RDS, moi, tu te contenteras d'une épée ou IMU pour le moment, Freeman. Je ne perds pas espoir. Avec tous les fécas qu'il y a, je pense qu'on a quand même une chance de voir une coco sur RDS. On verra bien, Freeman, on verra bien. Et du coup, allez, une nouvelle herbe folle pour King DPM au maximum. Il y a toujours la séquoyade, au pire pour sauver The Spartacus. Que va nous faire The Claim Show, là? Que va nous faire The Claim Show? Une bloqueuse pour gêner. De son tour, il lui reste 2 PA. La connaissance des poupées, oui, il a atteint vite fait son nombre de créa max. La surpuissante qui est toujours en vie. Oui, le moins 4. Le moins 4 cache sur Darky Royal. La gonflable encore sans soin. Mine de rien, la gonflable, elle a déjà soigné de 400 points de vie Spartacus. C'est pas négligeable et on risque d'en voir une deuxième au prochain tour. Et là, transpo sur le bouffe-tout.
Le détour, et oui, ça c'est bien joué aussi. On libère son Yop de toutes ses contraintes de tacle. Et du coup, ben, Crocabilia, il fait que du placement depuis le début du combat aussi. Il a quasiment pas tapé, à part une abso sur une folle. Autour de Illicia, faut pas oublier, il y a toujours la corruption de dispo aussi, la retraite anticipée. Enfin, la retraite, c'est peut-être pas ce qu'il y aurait qu'il y a de mieux à faire là. La relance d'accélération, en espérant qu'elle serve mieux que la première. Qu'est-ce qu'il va nous faire là avec l'Axel? Pourquoi il va dans le glyphe? Hein? Et on continue quand même avec un bon coup d'arc contemporain qui crit, mais il était peut-être pas obligé de terminer son tour dans le glyphe là, vu son peu d'esquive PA. Il va le sentir passer au prochain tour, Illicia là. Mais mine de rien, regarde Freeman aussi, la Vita d'Archange Gabriel. Le sacrifice n'est pas disponible en plus. Il vient de lancer son placeron Archange Gabriel. C'est assez bas. Ben, il y a toujours l'Imu et l'RDS de Darky Royal de dispo, mais Darky Royal a utilisé sa TP. Ben, attends, non, puisque ici la seule Imu qui a été lancée, c'est par Crixus. Il n'y a pas eu d'autre Imu, je crois, vu qu'il a préféré faire des mises en garde au lieu de sauver son Zobal au tour d'avant. Il y a vraiment des résistances exécrables, Archange Gabriel. Bah, ouais, je sais pas. Je sais, 13, je sais pas, 9, c'est... 4, 6, 0. C'est pour ça que je t'ai dit, je sais pas, ben, les 4 fixes, ça provient peut-être du Namu Oshimo pour les Dopu, quoi que non, il a 33 tacles. Bah non, il a les 33 tacles avec le masque du plot, normalement il a 0. Donc c'est peut-être une Namu Oshimo, il manque toutes les fixes, mais avec des stuff comme ça, ouais, je préfère rien dire. J'en dis trop de conneries en ce moment. Et on peut aussi, voilà, la trêve qui a été lancée par Darky Royal, on va, ben oui, la trêve, ça protège les Dopu, ça protège surtout son Zobal. Oh là là, Archange Gabriel, 5 PA, 0 PM. Et allez, un Tortuga ou des débandades. Ouh, attends, est-ce qu'il est sous pesanteur? Non, pas de pesanteur, c'est les bonus. C'est les bonus, c'est un petit Tortuga sur les Legend maudites. Oui, je l'avais dit, ce match, bah, y avait pas vraiment, non, j'avais pas vraiment une idée du vainqueur, mais pour le moment, bah, toujours indécis, là, toujours indécis. Et le prochain combat, il a lieu à 20h15. Est-ce que Chuck et Canon vont attendre qu'on ait... Est-ce qu'ils peuvent attendre un peu avant de le lancer ou je sais pas. Je sais pas s'ils peuvent attendre ou s'ils veulent attendre, bah, on verra bien, je pense que... On verra. En tous les cas, si jamais ça se lance, si tu bascules sur l'autre, je resterai sur celui-ci pour te donner des nouvelles. Est-ce que les viewers veulent qu'on reste sur ce combat-là ou est-ce qu'on basculera sur AVF, Volker, Dofus Ranger quand il commence? Ah, et Chuck, il nous prévient qu'il y a un peu de retard, donc ça va, c'est magnifique, on va pouvoir rester sur ce combat-là. On va pouvoir rester sur ce combat-là pour le moment. Le bon qui a été lancé par les gens de Maudite. Une pression à zéro, et oui, il y a la trêve, mais ça met toujours un peu d'érosion. Mais par contre, je comprends pas pourquoi il joue à l'érosion sur l'Osamodas. Je sais pas, est-ce que tu vois pourquoi il pourrait jouer à l'érosion, Freeman? Est-ce qu'il y a pas de cac de soin sur l'Osa? Et ça m'étonnerait non, qu'il... Je sais pas. Ben, il n'y a pas de cac de soin dans l'équipe pour soigner Loza et ça m'étonnerait que Illicia, ben que Illicia pardon, que ben si c'est bien Illicia gâche sa corrupte pour le soigner. Oh, ça va être la séquoiade ça. Et voilà la séquoiade qui est de sortie de Spartacus, 656 points de vie. Oui, qu'est-ce que t'as dit, Ruben? Non, j'allais dire une bêtise. Bah, dis quand même, c'est peut-être pas une connerie. Qui non, 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 j'ai confondu les deux équipes sur un truc, donc non. Ah, d'accord, donc là, oui, c'était probablement une erreur. Et du coup, Spartacus qui est de sauver comme il peut. Une sacrifiée pour venir gêner un peu ses adversaires. Ah là 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 là, mais si seulement ils avaient pu profiter de la mascarade pour tuer Archange Gabriel, ça c'est une erreur qu'ils ont fait. Et ça les pénalise un peu pour le moment, mais bon. Aussi, là, cette équipe des The Money Black font l'erreur de laisser les gonflables en vie, là. Enfin, la première était peut-être dure à tuer, quand même. J'espère pour eux qu'ils vont penser à tuer la deuxième. Et du coup, là, Crocabilia, 10 PA, 4 PM, il y a toujours la trêve d'active. Donc, à part tuer des invocations, il pourra pas faire grand-chose. Ou alors qu'elle ait un transfert de vie sur Archange Gabriel. Il y a la relance sacrifice aussi pour sauver son Sadi, mais il y a l'insolente qui est de retour aussi. Par contre, il y a le dragonnet. Ah, ça, il y a un truc qui me fait peur. Non, mais... Qu'est-ce qui... Il a fait des flammes sur The Spartacus? Mais il est sous Sylvestre. Attends. Sylvestre, c'est l'état invulnérable, donc ça ne met pas d'érosion. Il vient de gâcher bêtement 4 PA, là, Spartacus.
Crocamulet, il vient de gâcher bêtement 4 PA là. Aïe 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 aïe. Et allez hop, du coup c'est reparti. Que va pouvoir nous faire Initial? Peut-être une boîte de Pandore pour soigner son Sabaudas. On cherche vraiment à légumiser un maximum aussi Archange Gabriel. Archange Gabriel, il faut le rappeler, qui n'a que 4 PM de base pour le moment, vu qu'il a la ronce insolente. Et une bonne maladresse. Ah non, ça passe pas trop bien, mais ça retire quand même un peu de PA à ses adversaires. Allez, hop, on continue autour de Dark Royale. Dark Royale, il est totalement taclé, totalement taclé. Il a la relance armure, mais. Ouh, la relance armure et du coup il laisserait son Zobal à découvert. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Ah, et là par contre il y a eu un petit fail placement aussi de la part de The Clem Show. The Clemshow, il aurait peut-être dû terminer son tour une case plus bas du genre ici. Comme ça, le dragonnet rouge qui de Spartacus qui a récupéré le cri terrifiant aurait pu débuff la géante maudite. Ah non, il y a la bloqueuse qui gêne. Il y a la bloqueuse qui gêne, pardon, je l'avais pas vu avec Spartacus qui était sous Sylvestre. Est-ce qu'on a aussi des nouvelles de Tutu, Freeman, qu'elle vient assister à ce magnifique combat comme elle aime? Pas encore, non, elle est partie manger tout à l'heure, avant le stream, du coup elle va pas tarder à arriver. D'accord. Et dès qu'elle est là, je la groupe dans la conversation. Ok, merci Freeman. Et du coup, allez hop, autour d'Archange Gabriel. Archange Gabriel, il n'a pas grand-chose pour se protéger. Il a déjà claqué son plastron tour 4. Il ne reviendra qu'au prochain tour. Ce transe, ça serait du suicide. Oh, quoique, vu comment est la timeline, il peut se permettre de transe. On va voir, probablement une cabriole. Non. Là, si, il n'est pas sous pesanteur, donc il peut cabriole pour se détacler des bouffetous. Et oui, au cabriole, mais même dans l'autre sens, si on commence à fuir là, du côté Archange Gabriel, on commence à avoir peur. Et oui, avec 1800 points de vie, c'est normal. The Spartacus qui se fait un peu soigner. Par contre, la Sylvestre qui n'a pas l'air d'être niveau 6, je crois, de la part de The Clem Show. J'ai un doute. Ah, ça, c'est un magnifique sanglier aussi. Le sanglier qui bouge d'Arki Royal et du coup, ben, le libère du tacle de The Spartacus. Ouais, Aïe, aïe, aïe. c'est pas très malin ça, mais bon. Les gens me disent qu'ils jouent tour avec 2 PA. Bon bah. Un Brock, la limite sur The Spartacus pour préparer un petit dégât au prochain tour. Ou un putsch. Ouais, ou le Pooch aussi, Brock, Pooch, tout ce qu'il y a 2 PA. Tout sauf une Flamiche ou une Inti sur The Spartacus. Si Faire l'Inti un à la putsch, limite pour si. détacler. Mais bon, ça sert pas à grand-chose. Ah, il préfère passer son tour. Ok. Carrément. Oh, à la limite, on aurait pu faire une Inti sur la bloqueuse pour la repousser. Ouh là 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 là, et enfin le crit! Le crit à l'assurance! Une folle qui est invoquée. Ouais, mais là, non, c'est encore une erreur, c'est encore une erreur. Quand tu finis un mec comme. Quand tu tues un mec comme ça qui a les 1000 points de vie, tu t'amuses pas à invoquer une folle même pour ralentir les adversaires. Tu essaies de le taper un maximum pour essayer de le tuer. Puisque ça peut se jouer à quelques points de vie. On l'a déjà vu plus d'une fois que certains combats se jouent à quelques points de vie. Il a aucun point de bouclier là. Ben ouais, il y a la relance sacrifice quand même qui arrive. Voilà. La relance sacrifice, mais bon. Il y a. Si Archange Gabriel se placeront, ben ça sert à rien qu'il se placeronne vu qu'il est sacrifié. Mais il y a la ronce insolente de The Clem Show qui est dispo normalement. J'ai peur de dire une bêtise, attends, j'essaie de me rappeler. Non, ils l'ont pas réutilisé l'insolente. Un détour sur le Kragler et on attire The Crixus pour essayer de le bloquer lui aussi. The Crixus qui avait lui aussi lancé sa téléportation. Et une petite flamiche. Et oui, là quand même, les joueurs des gladiateurs ne sont pas armures. On va bien voir. Ah, là, ce combat est serré. Marc-Ange Gabriel avec ses 871 points de vie et pas mal en danger comme son adversaire Spartacus. Oh, une corruption lâchée sur Darky Royal. Pourquoi une corrupte? Je sais pas. Et Tutu et vient de revenir, du coup je vais l'inviter. D'accord. Mais pourquoi une corruption sur Darky Royal? Puisque vu son stuff, il a pas. Ah si, il avait quand même 5 PM, donc il aurait pu aller RD. Ouais, mais ça sert à rien d'RDS vu qu'il est sacrifié. Ou je sais pas. Bonsoir Tutu. Salut. Bonsoir. Lui Tutu, est-ce que tu es prête pour venir assister à ce magnifique combat? Au vu de l'état de la map, je dirais que non.
Ouais, Bon ben à bientôt mais Tutu. non, mais il est intéressant à suivre quand même ce combat là pour le moment. Oh là là, et par contre, on a The Crixus qui s'est armure que lui-même. Allez hop, autour d'Archange Gabriel. Quelques boliches peut-être pour faire des dégâts sur The Clemshow. Non, le masque de classe. Qu'est-ce qui. Non, il va pas plastron quand même! Mais non! Mais non, mais non, mais non! Ok, j'arrive, Master Ral déjà. Pour info, depuis le début du combat, c'est comme ça. Hein, depuis le début du combat, C'est c'est pas mais non, il faut qu'il tue possible! là, mais pourquoi il fait ça? Mais il est sacrifié, il balance son plastron, il va y avoir la ronce insolente. Ah moi, j'ai dit une connerie, l'insolente est pas d'issue, mais là je crois que je me suis pas trompé. Oh là 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 là. Et du coup le dragonnet qui débuffe, qui vient de débuff Crocabulia aussi, Crocabulia qui n'a plus que 3800 points de vie. On perd encore pas mal de PO, les gens me disent qu'il est en 7-4. Et j'essaye de suivre aussi, attends, est-ce que l'autre combat. Ah, et Chuck va lancer l'autre combat, donc je pense qu'on va switcher. Et Vas-y. Oh Freeman, tu mince! nous. Je me sacrifie, je reste pour celui-ci. Non, je vois un viewer qui dit qu'il y a eu le RDS sous Sylvestre, c'est normal, puisque là on a The Clem Show qui va jouer. Va y avoir la sortie de Sylvestre sur The Spartacus. Et le RDS justement s'est fait bah, pour empêcher Crocabulia de taper. Et peut-être le premier mort là avec l'insolente. Attends, on va encore rester un peu. Le premier mort, allez, le coup d'assurance. Dans la ronce agressive et la ronce. Est-ce que ça va suffire? Non, la ronce va pas suffire. Je te l'avais dit, Freeman, regarde. Je te l'avais dit que ça jouerait pas beaucoup de points de vie avec sa folle au tour précédent. Et heureusement qu'il a fait plastron, parce que sinon il serait mort. Bah non, il y a eu la ronce insolente qui a débuff le sacrifice et le plastron. Ah, mince. Non, mais je serai plus concentré pour le Oui, prochain c'est combat, sûr, tu promis. viens Bon, bah, d'arriver. d'ailleurs, en parlant du prochain combat, Chuck me préviendra quand il sera en phase de préparation. Bah, Donc, restez jusqu'au dernier moment ici. il vient de le dire, on lance là sur la concédéo, je crois, Freeman. Donc, je pense. Non, mais il n'y a rien de lancé encore. Ah, d'accord, bah, on reste ici pour le moment alors. On reste ici pour le moment, on va y avoir au moins un mort, mais. Pff, aïe, aïe, aïe. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est sûr, mais il y a quand même trop d'erreurs. C'est pas méchant vers les deux équipes, mais bon. Et voilà, ça va être le transfert de vie. Ça va être le transfert de vie pour essayer de sauver son Zobal à 394 points de vie. Non, il va pas survivre à The Elysia. On a vu ses coups d'arc contemporain et ses coups de pelle massacrantes, c'est la fin. Ça va être la fin, sauf si la ligne de vue est bloquée. Mais non. Ah, si, il va avoir du mal à avoir la ligne de vue. Mais non, mais pourquoi il a. Pourquoi il attire? Il offre la ligne de vue, il offre la mort de son Zobal, là, il était à l'abri. Oh là Excellent. là 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 là. Et du coup voilà, ça va être le coup d'arc pour faire un premier mort dans ce combat. Et dans cette la pelle massacrante, voilà le Zobal Archange Gabriel qui vient de tomber. C'est donc l'avantage pour l'équipe des gladiateurs. Leur Sabaudas c'était pas mal en difficulté, mais. Ah bah Archange Gabriel qui vient de déconnecter. Peut-être, ouais, vu l'heure, peut-être pour aller manger. On va pas être méchant et pas dire autre chose, hein. Mais non, c'est pas un rush kit. Voilà, non, non, on ne l'a pas dit, Freeman. Vous n'avez pas Mais non, entendu Freeman, il on n'a pas était dit que c'était un F. rush kit. Oui, Dodgis, oui, c'est vrai qu'avec la libé sur la pelle, il aurait pu le terminer tranquillement. Mais il se serait un peu plus isolé du combat, quoi. C'est surtout ben, qu'avec cette attirance, elle était inutile, quoi, de la part de Crocabulia. Surtout que là, Crocabulia, il s'est foutu près de la sacrifier. La sacrifiée risque d'exploser sur lui-même. Quoique la nouvelle sacrifiée, je sais pas combien de PO il lui faut pour exploser. Est-ce que c'est toujours 3 comme l'ancienne? J'ai jamais eu le cas de figure pour savoir et. Je n'en sais rien. Bah moi non plus Non. j'en sais rien. On a tellement l'habitude de voir des Sanhedain en ce moment que ça devient compliqué de retenir. Et du coup voilà un nouvel aveuglement. Oh là là, allez, on les glyphe aveuglement, et oui. The Man in Black qui vont vraiment regretter ce manque d'esquive PA et l'arc Gutentag lancé par The Crixus. Ah c'est un arc Gutentag avec les fixes à 11 sur 15, d'accord. Ah bah oui, les fixes à 11 sur 15 avec 13 rescrits, avec les 10 rescrits de l'amulette Oshimo pour faire les 23 rescrits. Ouais, ça se tient. Du coup, autour de The Spartacus, il est lui aussi pas mal en difficulté. 6 PA, 5 PM, plus que 1300 points de vie. Faut qu'il sorte de ses glyphes là. Faut qu'il sorte. Allez, un corbeau. Voilà, bon corbeau sur Crocabulia. Et oui, on va essayer de le taper un maximum pour le sortir de la zone punition. Voilà, toutes les invocations passent leur tour. Et oui, évidemment, avec autant de tapis.
Oh là là, un bouffe-tout qui vient en plus mettre Crocabulier en pesanteur et le dragonnet qui booste dommage sur toute l'équipe. Oh là 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 là, légende maudite qui va jouer son tour en 4 PO, 4 PM. La précipitation. La précipitation. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec cette précipitation? Il bondit, il reste encore 3 PO, peut-être une intimidation sur Spartacus. Oui, de nouvelles intimidations. Grosse intimidation à 474, l'heure au Sabaudas n'est pas encore sauvée. Tu crois que s'ils arrivent à tuer Crocabulia, ils vont drop un Vulbis? Bah ouais, je sais pas, on est pas loin du donjon d'essai, c'est vrai, tu on sait jamais. Du donjon d'essai? Du donjon Croca, pardon. Ah. J'ai bien mélangé Bonta et Bragmar il y a quelques minutes. Ouais, du coup, regarde-moi ce sacrifié qui a explosé aussi. Tu moins 540 points de vie sur Crocabulia. Crocabulia, 202 points de vie. Et il va jouer son dernier tour. Il est totalement bloqué sous pesanteur. Ça va être la fin pour ce sacrieur. Et donc, ça va être une victoire des gladiateurs, normalement, si tout va bien. Ouais, même, et puis, ils ont gagné, là. Une abso, il essaye de se régénérer un peu, mais les dégâts sont transférés sur le sac animé. Et du coup, le combat de Chuck n'est toujours pas en phase de préparation, Tutu? Non. D'accord. Il y a un autre combat en préparation, mais il est en 4 contre 1 sans spectre, donc c'est pas celui-ci. Ouais, c'est des joueurs qui doivent se préparer pour leur prochain combat. Et allez, hop, voilà, l'arc contemporain qui vient à bout de son adversaire, oui, Crocabulia, pardon. Et par contre, je trouve étonnant que cette équipe est sortie deux arcs face à une team sacrée alors qu'ils auraient pu se faire tacler assez facilement par le sacrieur. Instinct. Bah, la preuve qu'au final, oui, c'était un pari qui c'était un pari qui leur a très bien réussi, c'est sûr. Et le combat est lancé. Bon, on va pouvoir switcher. Bien joué. Oui, et ben, on va dire bien joué. Ben, aux deux équipes et belle victoire des gladiateurs. Attends, je regarde juste pour voir si The Crixus va lancer une IMU pour sauver Spartacus. Ah, mais en plus, c'est merveilleux quoi. Dans l'équipe de choc, il n'y a pas de Feka et il y a un Yop. Ouais, mais il y a un Sadi quand même. Oui, bon, effectivement. Et Sacrié New Yop. Ah, moi, ça me rappelle une belle composition qui avait gagné le MDG. Oh, je ne vois pas que toi tu parles. Bah, du coup, on va se quitter ici. The Spartacus n'a plus que 543 points de vie, mais bah, on verra s'il termine à 3-0. Ils ont moyen de sauver.